Assure People, Assure People. Il est quasiment 23h sur BFM TV, merci d'être avec nous. C'est la fin du suspense, le gouvernement au complet enfin dévoilé. Ils sont 11 secrétaires d'État nommés ce soir, plus de la moitié sont des entrants. Quel message envoyé? Pourquoi un tel casse-tête? On vous dit tout sur les coulisses de ce remaniement sans fin. C'était donc lui, l'incendie de la cathédrale de Nantes le week-end dernier. C'est en tout cas ce qu'il a avoué aux enquêteurs. Le bénévole, déjà entendu au début des investigations, a été mis en examen et écroué. Et puis, à éviter par-dessus tout, mais pas complètement écarté, le Premier ministre évoque l'hypothèse d'un reconfinement pour faire face à l'épidémie. Le virus progresse significativement. Olivier Véran, lui, en appelle à la jeunesse, pas très prudente, selon le ministre de la Santé. Ça a été manifestement laborieux, mais ça y est, c'est fait. 3 semaines après les ministres, on connaît enfin le nom des secrétaires d'État. Ils viennent d'être nommés ce soir par communiqué de la présidence. Ils sont 11, pas de grande surprise, pas de débauchage non plus. Prime à la majorité finalement, avec des nouveaux visages quand même. C'est le cas de Clément Beaune qui passe de l'ombre à la lumière. Il était conseiller d'Emmanuel Macron. D'abord, c'est une grande fierté, un grand honneur et un geste de confiance de la part du président de la République et du Premier ministre. Auprès de Jean-Yves Le Drian, maintenant, il faut se mettre à la tâche dès demain pour porter ces sujets européens dans la nouvelle équipe. Donc je suis d'abord très honoré et très engagé pour mener à bien cette mission. Vous étiez l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron. Vous sortez un peu de l'ombre, vous faites partie de ces nouvelles têtes. Quelle est la priorité que vous allez accorder à votre nouveau mandat ? Écoutez, le Premier ministre l'a dit, nous avons 600 jours pour être utiles et efficaces. Ça vaut pour l'Europe. Je veux montrer d'un mot que l'Europe n'est pas déconnectée des sujets nationaux. Nous avons une priorité au plan de relance. Le Premier ministre l'a annoncé à plusieurs reprises, une centaine de milliards d'euros, quand on sait que presque 40% seront financés par l'argent européen que le président de la République a obtenu cette semaine dans l'accord européen à Bruxelles. Ça doit montrer qu'on est efficace. Donc c'est du concret, des résultats de l'action qu'on doit tous mener. Ça vaut pour l'Europe, bien sûr, comme pour le reste. Du concret, cet exécutif qui nous annonçait un gouvernement resserré, un gouvernement de combat. Finalement, maintenant qu'on a la liste des secrétaires d'État, ça fait 43 au total en comptant le Premier ministre. Quel est le message passé avec ce gouvernement assez pléthorique ? Écoutez, ça c'est pas à moi de le commenter, mais chacun a une mission claire. Notre mission à chaque secrétaire d'État, chaque membre du gouvernement, chaque ministre, c'est d'être efficace. C'est comme ça qu'on justifie notre présence, notre mandat et notre portefeuille, la confiance qui nous est faite. C'est ça qui m'anime ce soir, c'est la seule chose qui compte. Alors, sur le fond, hein, vous allez participer donc à ce nouveau gouvernement, Jean Castex, pour les 600 derniers jours du mandat, du quinquennat de Emmanuel Macron. Vous allez devoir travailler avec cette nouvelle équipe. Qu'en attendez-vous ? Écoutez, j'en attends de montrer moi-même que je suis à la hauteur, que je suis engagé, que j'apporte à cette nouvelle équipe, je l'espère, par ma connaissance des sujets européens, par l'engagement, vous l'avez rappelé, que j'ai eu depuis plusieurs années auprès du président sur les sujets européens. C'est une des grandes promesses d'Emmanuel Macron, je crois, un des grands résultats d'ores et déjà avec le plan de relance obtenu cette semaine et l'accord européen. Donc on doit le mettre en œuvre, on doit le faire vivre et j'essaierai de y contribuer le plus possible avec tout le monde sur les sujets écologiques, sur les sujets de relance, sur les sujets agricoles, sur la question du Brexit. Tous ces dossiers concernent aussi tous mes collègues du gouvernement. Clément Beaune, comment on explique qu'il a fallu attendre, on le disait, quasiment 3 semaines pour connaître enfin le casting complet de ce nouvel exécutif ? Écoutez, ça non plus, ce n'est pas vraiment moi qui peux vous le dire, parce que pour moi, tout commence ce soir. Et donc, ce qui m'importe, c'est à partir de la seconde où le président et le Premier ministre me font confiance d'agir. Voilà, raison de plus pour ne pas perdre de temps. Vous avez été fixé quand, vous, personnellement ? Écoutez, ce sont des choses qu'on discute, mais qui se font toujours au dernier moment. Donc, juste avant que ce soit public, ça a été définitivement confirmé. Donc, je me prépare et maintenant, dès demain, on sera au travail. Merci Clément Beaune. Avec nous en plateau, Michel Taub, bonsoir. Bonsoir. Pour parler de ces nominations, donc 11 secrétaires d'État portant donc à 43 le nombre de membres de ce nouveau gouvernement Castex. C'est un nombre, on le disait, pléthorique. On n'avait pas vu ça depuis de longues années. Depuis 16 ans, c'est le gouvernement le plus large qui compose. C'est le gouvernement le plus large en termes de nombre de ministres et de secrétaires d'État. Sur ce volet-là, l'équipe Castex est maintenant au complet. Je constate qu'il n'y a aucune personnalité de la société civile. Mm-hmm. Ce sont que des politiques, soit des proches d'Emmanuel Macron, comme Clément Beaune, qui était vraiment un des principaux collaborateurs du chef d'État. Pourquoi sur la question européenne. Bon, je pense que c'est une promotion, c'est même
forme de remerciement pour tout le travail fait depuis des mois, puisqu'encore une fois, la question européenne était pour le chef de l'État extrêmement importante. Et on a vu ces derniers jours, avec la négociation de Bruxelles, combien était importante. Et le président de la République a quand même une belle victoire sur le plan international. Donc pour son principal collaborateur, j'ai envie de dire, c'est une promotion et une forme de... Mais pourquoi personne de la société civile ? Ah, ben je pense qu'à 2 ans des élections présidentielles, le chef d'État a besoin de ministres qui font le boulot, qui connaissent les rênes de la vie politique, qui sont férus en fait de tout ce qui est politique pour que lui puisse se concentrer sur la préparation de l'élection présidentielle. Donc je pense que c'est surtout pour ça qu'il n'a pas voulu prendre de risque. Il y a des députés En Marche et Modem pour l'essentiel dans ce nouveau gouvernement au niveau des secrétaires d'État. On va continuer d'en parler. Justement, ces ministres plus politiques, on va retrouver Anne-Laure Bance qui va tout nous dire. Anne-Laure, qu'est-ce qu'on sait de ces nouveaux visages ce soir? Eh bien, c'est le plus gros gouvernement depuis 16 ans avec 42 membres, 43 si l'on compte le Premier ministre Jean Castex. Alors, dans le détail, ce gouvernement, il est composé de 30 ministres et de 12 secrétaires d'État. Je vous le disais donc, c'est le plus gros gouvernement depuis 16 ans. Pour atteindre de tels chiffres, eh bien, il faut remonter à 2004 avec le gouvernement Raffarin qui comptait 43 membres, 44 si l'on comptait donc Raffarin, qui était alors le Premier ministre. Mais ce n'est pas le plus gros gouvernement. Si on regarde, eh bien, le plus gros gouvernement, le record absolu, c'est le gouvernement 2 de Michel Rocard avec 52 membres, soit 21 ministres et 31 secrétaires d'État. Pour avoir le gouvernement le plus petit, il faut retourner dans les années 2000, 2007 plus précisément, avec François Fillon qui avait dans son gouvernement seulement 20 membres. Sandra Motin avec nous ce soir. Bonsoir, vous êtes députée La République En Marche de l'Isère. Ces nominations qui mettent donc en avant cette continuité auprès des élus La République En Marche, mais aussi du Modem, qu'est-ce que vous en pensez? Ben écoutez, je trouve que j'entends souvent des commentateurs dire qu'il n'y a pas de banc chez La République En Marche, qu'on manque de vivier. Je crois que ce soir, on démontre le contraire et qu'il y a vraiment des ressources de qualité dans nos rangs. Je me réjouis vraiment de l'entrée de 3 de mes collègues République En Marche et 2 de mes collègues Modem dans ce gouvernement. Et surtout, je vois qu'il n'y a pas un poste qui ne soit pas utile à la France dans ces secrétariats d'État. Parce que des fois, on a pu entendre des thèmes circuler qui nous semblaient un peu en décalage avec les attentes des Français. Mais là, je crois que tous les secrétaires d'État nommés vont avoir une feuille de route extrêmement opérationnelle et qu'ils vont agir concrètement pour la France. Et en même temps, il n'y a pas de grandes surprises, pas de société civile, pas de débauchage aussi extérieur. C'est la continuité. Elle est où la réinvention ? La réinvention, elle est d'abord dans le fait qu'il y a des secrétariats d'État qui n'existaient pas jusque-là. Peut-être qu'on en avait un peu moins besoin, mais si je prends par exemple le poste qui échoua à ma collègue Nathalie Elimas sur l'éducation prioritaire, je crois qu'il est directement lié aux effets de la crise que nous venons de traverser et qu'il est éminemment important de s'occuper des enfants les plus touchés par cette crise et par la fermeture des écoles. Je crois que la réinvention, c'est aussi de savoir dire que Cédric O, qui était jusque-là un secrétaire d'État au numérique, l'est maintenant à la transition numérique. Et je crois que cette précision, elle est importante parce que dans le plan de relance, nous allons devoir aussi aider les entreprises à se numériser. Et c'est une transition qui est importante et qui a des effets sur un peu toute l'entreprise. Un autre poste important, celui d'Olivia Grégoire sur... l'économie solidaire et sociale. Je crois qu'aujourd'hui, le bilan extra-financier, par exemple, des entreprises sur lequel elle a énormément travaillé, l'actionnariat salarié, c'est important. Sandra Motin, vous restez avec nous, évidemment. On va continuer de parler de ces nominations avec vous. En plateau, Jade Zahab, bonsoir. Bonsoir. On a entendu Sandra Motin qui pointait justement ces nouveaux secrétariats d'État. Aucun secteur n'est délaissé. C'est important de montrer ça à 600 jours de la fin du quinquennat Macron. Je pense que c'est important. Et ce que disait Madame la députée Motin, moi j'ai envie d'insister particulièrement sur les 2 secrétaires d'État qui ont été nommés auprès de Monsieur Blanquer. Elle le disait à l'instant, Madame Elimas sur l'éducation prioritaire et Madame El Haïry sur la jeunesse et l'engagement.
Je crois que c'est un symbole assez important. En tout cas, c'est celui que j'ai envie de retenir ce soir, dans le contexte qu'on a connu. Hein. On l'a dit, pendant la période du confinement, l'accès à l'école et à l'éducation a été restreint pour un certain nombre de jeunes français. Et paradoxalement, enfin non d'ailleurs, pas du tout paradoxalement, c'est très souvent ceux qui sont les plus démunis socialement qui s'éloignent de l'école. Donc c'est, j'ai envie de retenir ce message-là, finalement, de dire que l'éducation est une priorité. Et j'espère que effectivement, ces deux secrétaires d'État seront très vite opérationnels auprès du ministre de l'Éducation. Alors, on va faire réagir également l'opposition. Bonsoir, Yann Brossat, merci d'être avec nous sur BFM TV, porte-parole du PCF. Votre première réaction à ce gouvernement qu'on sait maintenant au complet ? Je dirais que c'est un remaniement qui, en réalité, n'apporte pas grand-chose. On nous a annoncé l'arrivée de ces secrétaires d'État il y a 2 semaines. Il a donc fallu 2 semaines pour établir cette liste de secrétaires d'État, dont la moitié était en réalité déjà membre du gouvernement précédent. Donc mon sentiment surtout, c'est que la montagne a accouché d'une souris, voire d'un sourisseau. Qu'attendez-vous concrètement, précisément, de ce nouveau gouvernement ? Je pense que ce qu'on attend, ça n'est pas une évolution du casting, c'est une évolution du scénario. C'est ça qui intéresse les Français. Ce ne sont pas ces personnalités qui font leur entrée au gouvernement. Ce qui intéresse les Français, c'est de savoir s'ils auront de quoi vivre, c'est de savoir s'ils auront un travail, c'est de savoir si leurs revenus vont leur permettre d'avoir une vie convenable. Et sur cette question-là, qui est la question fondamentale, il n'y a pas eu de véritable inflexion depuis que Jean Castex est Premier ministre. Il n'y a pas d'augmentation des salaires, pas d'augmentation du SMIC, pas d'augmentation des minima sociaux, pas d'augmentation du point d'indice des fonctionnaires. Donc le sonnant et le trébuchant, ce qui intéresse les Français, n'est marqué par aucune espèce d'évolution. Et pas de tournant à droite en même temps. On parlait à un moment de Guillaume Larrivée. C'est plutôt le Modem qui est mis au centre du jeu aujourd'hui, qui incarne les territoires. Donc un gouvernement qui veut rester au centre, pas trop à droite aussi, on peut y voir. Bah, mon sentiment surtout, c'est que cette entrée des secrétaires d'État ne vise pas tellement à répondre aux problèmes des Français, mais plutôt à récompenser un certain nombre de députés, de membres de la majorité qui ont défendu avec zèle la politique du gouvernement depuis 2-3 ans. Donc la réalité, c'est qu'effectivement, on est dans la continuité de ce que fait le président de la République depuis qu'il est président de la République. Et malheureusement, je ne considère pas que cette politique-là soit à même de répondre aux difficultés sociales que les Français rencontrent. Sophie Cluzel, bonsoir. Vous êtes l'une des personnes retoquées pour ce deuxième gouvernement Castex, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Vous conservez donc votre poste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 3 semaines avant d'arriver à ces nouvelles nominations ? Écoutez, je pense que les séquences se sont suivies, notamment une excellente et superbe séquence européenne avec le président de la République, certes qui devait durer 24 heures, qui s'est étalée jusqu'à 5 jours, mais je pense que l'enjeu en valait la chandelle, c'est reconnu par tous, donc ce n'est pas quelques jours de plus qui font que cela va changer. En revanche, je voudrais dire, et je voudrais d'abord saluer les entrants, mes nouveaux collègues, puisqu'en effet, moi, j'ai été reconduite, dire que ce sont des compétences qui rentrent au gouvernement, des compétences opérationnelles immédiatement, puisque je les connais bien. J'ai beaucoup travaillé avec eux, avec des députés extrêmement mobilisés, qu'ils soient de la REM ou du Modem. Et donc, nous serons vraiment auprès des Français en opérationnel immédiatement. Moi, je n'ai bien sûr pas cessé de l'être, puisque ça fait 3 ans que je suis la ministre des personnes en situation de handicap. Je m'occupe aussi des aidants, je m'occupe vraiment de toutes les familles de personnes en situation de handicap. Compétences, mais on peut être un peu étonné ce soir de ne voir aucun nouveau visage dans ce gouvernement, pas de société civile. Finalement, on fait avec les députés de la majorité, il n'y a pas de surprise. Je suis la société civile, entre autres, moi, issue de la société civile. La société d'État depuis 3 ans, vous venez de le rappeler. Oui, d'accord, mais c'était vraiment une compétence qui avait été choisie justement de société civile. Non, je pense que ce sont des compétences qui sont reconnues. C'est des visages qui sont connus des Français, puisqu'ils étaient déjà députés. Je vous rappelle qu'ils ont été élus par les Français. Et de toute façon, ils sont totalement compétents et opérationnels immédiatement. Donc sur leur domaine, justement, qui était déjà les leurs. Alors, vous êtes 11 secrétaires d'État dans ce nouveau gouvernement, ce qui porte à 43 membres dans ce gouvernement. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à autant de personnes ? Est-ce qu'il fallait autant de personnes pour travailler plus efficacement sur cette fin de mandat d'Emmanuel Macron ?
Je pense que la relance nous oblige pour tous les Français. La situation est grave. Elle va être encore grave à la rentrée. C'est indéniable. Nous sommes aussi en crise sanitaire, toujours. Nous avons des réponses très précises à apporter aux Français qui les attendent concrètement, au plus près, en proximité. Ça, c'est très important. Et c'est bien tout l'enjeu de cette équipe, de pouvoir répondre au plus près des Français. Je voudrais revenir un instant sur cette méthode, hein, la méthode de Jean Castex. J'ai eu l'honneur déjà de travailler avec lui pendant les 3 ans, puisque nous étions ensemble pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Je sais qu'il a une attention extrêmement particulière et extrêmement précise sur ce sujet du handicap et des personnes qui, justement, ont parfois été les plus touchées, hein, par cette crise. Justement, puisque vous avez été reconduite, est-ce qu'à un moment, entre nous, personnellement, vous avez eu peur peut-être de ne pas l'être ? On a parlé quand même, on a entendu parler de Guillaume Larrivé pour prendre votre poste. Que vous a dit le président de la République ? Moi, je pense que personne n'est propriétaire de son poste et de sa fonction. Ce qui m'importait, c'était que surtout le secrétariat d'État au handicap soit toujours rattaché au Premier ministre. Je vous rappelle que le handicap est la priorité du quinquennat. Le président de la République l'avait réaffirmé haut et fort le 11 février dernier, parce que nous avons eu un très très grand rendez-vous avec les personnes handicapées. Donc ça, c'était extrêmement important et Jean Castex l'a tout de suite pressenti qu'il serait rattaché auprès de lui. Donc je suis très heureuse, très fière de cette confiance. Je ne me suis jamais arrêtée de travailler parce que je pense que nous le devons aux personnes en situation de handicap, nous le devons à leurs aidants, c'est très important, et nous sommes immédiatement opérationnels tous ensemble avec un gouvernement vraiment soudé qui a les équilibres qu'il faut pour réussir justement cet accompagnement des personnes. Sophie Cluzel, merci. Je le rappelle, donc vous avez été reconduite en tant que secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Michel Taube, on a entendu cette continuité. Hein, on la lit concrètement dans ses nominations, cette continuité avec des députés La République En Marche, avec des députés MoDem aussi, à qui on montre un petit peu aussi qu'on récompense leur loyauté. C'était important pour cette fin de cycle ? Je pense que le gouvernement joue la sécurité en nommant effectivement comme secrétaire d'État des députés pour la plupart, ou d'anciens collaborateurs du chef de l'État comme M. Beaune sur les questions européennes. C'est jouer la sécurité, c'est-à-dire des personnes qui sont rompues à la vie politique, qui sont déjà dans le sérail de la vie politicienne, parce qu'effectivement nous sommes à 600 jours de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron, il a besoin d'être sûr de ses ministres pour pouvoir, lui, se préparer pour la présidentielle. Donc, effectivement, il n'y a pas vraiment de surprise. Il y a une consolidation des deux assises politiques de la Macronie qui sont En Marche et le MoDem, avec, encore une fois, pas d'entrée de la société civile. Je pense vraiment que le gouvernement Castex joue la sécurité pour pouvoir bien laisser le président de la République préparer l'échéance de 2022. Justement, en un mot sur cette échéance de 2022, on voit quand même le retour du MoDem. Il y a eu des tractations avec François Bayrou qui n'était pas content du gouvernement. Des tractations assez fortes. Il se pourrait qu'il devienne bientôt commissaire au plan. En tous les cas, c'est une idée qui a circulé, qui a fuité. Non, je pense que le gouvernement se consolide sur ses assises classiques, qui sont La République En Marche et le MoDem, pour pouvoir encore une fois mieux se préparer pour l'échéance de 2022. Michel Taube, merci. Dans la suite de l'actualité, on le sait, il est donc passé aux aveux. Le bénévole chargé de la sécurité de la cathédrale de Nantes a reconnu avoir mis le feu à l'édifice. 3 départs de feu précisément. Il avait déjà été entendu au tout début de l'enquête. Que sait-on de lui ? Narjissa Lasraoui, Alexia Ferré. L'homme fréquentait la paroisse depuis 4 ou 5 ans. Il faisait partie des bénévoles chargés notamment d'assurer la sécurité de l'édifice. Par ailleurs, il était servant d'hôtel, il assistait le prêtre pendant la messe. L'homme de 39 ans était décrit comme quelqu'un de gentil, discret et dévoué. Ça fait un an que je suis bénévole à la cathédrale. Je le voyais avant, après la messe, on discutait un petit peu. J'étais pas un de ses intimes, mais le peu que je le voyais, il était vraiment toujours très présent, très dévoué, très aimable, très serviable. Le bénévole, réfugié rwandais, est arrivé en France en 2012. Il a fait plusieurs demandes de régularisation. Son titre de séjour a pris fin en mars 2020. Il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le bon nombre de personnes du diocèse sont intervenues, entre guillemets, pour essayer de trouver une solution. Bon, ça n'a pas marché pour des raisons qui nous dépassent, hein, certainement, on ne sait pas. Voilà, il était vraiment accueilli et ça n'a pas fonctionné comme on aurait voulu. Son mobile n'est pas encore connu. Poursuivi pour dégradation, détérioration ou destruction du bien d'autrui par incendie, il risque 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.
Guillaume Fard, on vient d'entendre ce que risque cet individu. L'enquête n'est pas terminée. Pas tout à fait. Bon, il faudra éclaircir bien évidemment ses motivations, même si, comme on le disait à l'instant, elle commence à se dessiner. Il avait épuisé toutes les voies de recours pour rester en France. Le statut d'étranger malade, en raison de sa condition de santé, hein, il avait demandé ce statut-là, lui avait également été refusé. Et donc, même si le clergé catholique nantais avait essayé d'intercéder en sa faveur, notamment auprès du préfet de Loire-Atlantique, eh bien, rien n'y faisait. Il allait devoir quitter le territoire. Ça, manifestement, il en souffrait. Ses démarches n'aboutissaient pas. Et ce faisant, dans un geste de désespoir, il a incendié la cathédrale. C'est là donc le premier élément qu'il va falloir éclaircir, ses motivations. Et puis il y en a un deuxième qui est peut-être un peu secondaire, qui est le montant du préjudice qu'il a occasionné notamment à la cathédrale. Parce que plus ce montant sera élevé, plus ce seront des circonstances aggravantes au moment de son procès. De la politique à présent, ça se passe dans le sud avec Robert Ménard qui se lâche clairement dans une vidéo filmée lors de la célébration de sa victoire à la tête de l'agglomération, c'était lundi dernier. Le maire de Béziers, vous allez entendre, ne mâche pas ses mots et tout le monde autour de lui en prend pour son grade. Pareil que cette espèce de classe politique de merde que je croise tous les jours. Alors plus à la gloire, ils y sont plus. Il y a un endroit juste à côté du bureau président, donc de moi-même, où il y a les courriers. Et il y a le nom des destinataires des courriers. Elle a enlevé tous ceux qu'on a battus. En fait, c'est le Ménard habituel, c'est-à-dire à la fois on le parler cash. Et il y a aussi, on y retrouve toutes les obsessions habituelles de Robert Ménard, l'opposition, les fonctionnaires. Il y a un caractère un peu à la fois puéril et pathétique. Michel Taube, ces déclarations lors d'une soirée privée, on l'a bien compris, du maire de Béziers, qui donc a été élu à l'agglomération. Qu'est-ce que ça dit de ce climat local? On sait que Robert Ménard est déjà visé par une enquête préliminaire ouverte à Marseille. Ménard fait du Ménard, et j'ai envie de dire, il fait même du Trump, et je pense que ça, c'est sa ligne de conduite, c'est sa ligne de fabrique. Quelque part, ça va lui servir d'avoir cette vidéo qui circule très très largement, parce qu'encore une fois, il s'est différencié comme ça, et d'ailleurs, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître, il a été réélu au premier tour à la ville de Béziers, et là, il vient de conquérir... Très largement réélu. Il vient de conquérir l'agglomération de Béziers, de Haute-Lutte, et c'est pour fêter cette victoire qu'il s'est en fait lâché. Mais vous savez, il crache dans la soupe, j'ai envie de dire, parce que lorsqu'il vient à Paris, et notamment sur votre chaîne, avec Jean-Jacques Bourdin, il y a 2-3 semaines, où on avait l'impression qu'il se chauffait pour éventuellement se lancer pour la présidentielle en 2022, quelque part, il est un peu totalement paradoxal. Justement, quand on écoute un peu ce qu'il dit, là, évidemment, on a eu qu'un extrait. Tout le monde en prend pour son grade. Il dit que Louis Alliot a été élu, c'est grâce à lui, parce qu'il a montré le chemin. Robert Ménard, qui a pris ses distances avec Marine Le Pen, il fait partie de ceux qui n'y croient pas du tout, qui veut quelqu'un d'autre pour incarner cette partie de l'échiquier. Il a clairement des ambitions présidentielles, on parle de lui, ou bien de sa femme qui est députée. Ah, absolument, moi je l'ai écrit dans mon journal Opinion Internationale. Je pense que il est en train de se tâter pour envisager une carrière nationale. Les lignes bougent, il ne croit pas en Marine Le Pen. Il y a un électorat très à droite ou d'extrême droite qui peut être intéressé par son discours populiste, très direct. Encore une fois, quand on voit cette vidéo, il fait du Trump. Et Trump, ça l'a servi pour arriver au pouvoir. Donc il peut se dire, moi je peux tenter ma chance également. Donc j'ai envie de dire, cette vidéo ne fait que confirmer qui il est. Comment il aurait pu dire, je vais tenter ma chance, quand on sait que c'est une vidéo qui a été filmée sous le manteau pendant cette réunion privée? Est-ce que ça aurait pu être organisé? Non, j'irai pas jusque-là, mais je pense que beaucoup de Français trouvent dans ces mots et sa manière de s'exprimer de quoi satisfaire leur propre rupture vis-à-vis de la classe politique, vis-à-vis de la politique, vis-à-vis des grands enjeux de notre pays. Donc effectivement, il est sur un créneau et on va certainement le voir de plus en plus, parce que comme il ne s'entend pas et il ne croit pas dans Marine Le Pen, il doit pouvoir se dire « pourquoi pas moi ?». En tous les cas, je pense que entre ce discours très direct et violent et abrupt, il peut se dire j'ai ma chance à l'avenir. Merci beaucoup pour cet éclairage, Michel Taube. Dans l'actualité également, l'épidémie de Covid-19 qui regagne du terrain, on vous en parle, et le gouvernement alerte de plus en plus la population sur la nécessité de respecter les gestes barrières. Les jeunes en particulier, la guerre est loin d'être gagnée, selon le ministre de la Santé, Thibault Cheminant.
Au son de la musique électro, ils ont dansé pendant près de 36 heures. Sur un terrain agricole, 5000 personnes se sont réunies mi-juillet sans aucun respect des gestes barrières. Depuis le début de l'été, ce genre de rassemblement se multiplie un peu partout en France. Une prise de risque qui inquiète le gouvernement à l'heure où les cas de contamination repartent à la hausse. Dans un entretien à nos confrères du Parisien, le ministre de la Santé fait part de sa préoccupation. Je comprends parfaitement leur besoin de souffler, mais le virus, lui, ne prend pas de vacances. Il peut frapper n'importe où. Il faut continuer à appliquer les gestes barrières, respecter les distanciations sociales, porter un masque et se faire dépister en cas de doute. Et pour les encourager à se faire dépister, justement, les tests PCR sont intégralement remboursés depuis ce week-end, ordonnance ou pas. Dans le même temps, le chef du gouvernement Jean Castex n'écarte pas un possible durcissement des mesures. Ce qu'il faut éviter par-dessus tout, c'est le reconfinement général. Ce peut être des reconfinements très localisés. Nous nous adapterons. Et Jean Castex à son tour de rappeler l'importance des gestes barrières jusqu'au jour où un vaccin sera trouvé. Et Benjamin Davidot, vous êtes bonsoir. Médecin, infectiologue, bonsoir. Est-ce qu'il faut vraiment s'alarmer? Est-ce que vraiment, aujourd'hui, toute la responsabilité pèse sur les épaules des jeunes, comme le dit Olivier Véran? Alors, c'est pas que les jeunes, hein, c'est les jeunes entre autres. Il faut pas stigmatiser les jeunes, ce qu'on a dit depuis le début de l'épidémie. Mais à tort, on a expliqué à un moment donné que les jeunes n'étaient pas concernés par la Covid et qu'ils pouvaient se masser, se regrouper sur les quais de Seine, notamment pour la région parisienne et lors de la fête de la musique. Et aujourd'hui, la réalité, on est rattrapé par le fait qu'en fin de compte, les jeunes font des formes sans symptômes, pour la plupart, des formes dites asymptomatiques, c'est plus de la moitié des cas, et donc pérennisent cette transmission du virus et contaminent des gens qui sont vulnérables, malheureusement, à l'heure où les vacanciers se croisent, des jeunes comme des plus vieux. Donc ce n'est pas si bénin que ça de dire que les jeunes sont concernés par ces hausses des cas dont on parle depuis ces dernières semaines, qu'ils sont pour la plupart asymptomatiques, puisqu'ils pourraient vraiment contaminer les personnes les plus vulnérables. Oui, absolument. Il y a un risque donc de deuxième vague à court terme. Bien sûr, on parle à juste titre de chaîne de transmission. Cette chaîne de transmission, elle comprend les plus jeunes comme les plus vieux. À un moment donné, souvenez-vous, il y avait des craintes concernant les enfants à l'école et on pensait que les enfants infectaient les parents, or c'est dans l'autre sens. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que les 15-45 ans contaminent les gens plus vulnérables et qu'ils pérennisent cette transmission du virus sur le territoire. On peut parler de ce qu'on appelle une endémie à l'heure où on voudrait que l'épidémie s'arrête. Bonsoir Catherine Hill, vous êtes épidémiologiste, vous êtes derrière l'écran, de l'autre côté de l'écran. Il y avait 200 000 tests qui étaient faits chaque semaine après le 11 mai, il y en a actuellement 500 000. C'est donc normal qu'on trouve plus de malades. Est-ce qu'il faut vraiment y voir une inquiétude ? Oui, parce qu'il y a d'autres indicateurs qui montrent que l'épidémie... D'abord, le virus est toujours là. Il n'a jamais cessé d'être là. Donc, forcément, il circule. Les gens bougent plus, font moins attention. Donc, ça ne peut qu'augmenter. Et ça augmente. Donc, quel est le risque à ces courts termes, finalement, dans ces prochaines semaines? Est-ce que la tendance va aller croissant ou est-ce qu'il faut vraiment compter sur les recommandations du gouvernement ces derniers jours et sur la conscience collective? Bon, nous avons écrit une tribune fin mars en disant qu'il fallait des masques et des tests. Enfin, il y a des masques. Mais en fait, il n'y a toujours pas suffisamment de tests. Il faut tester très largement la population, là où le virus circule, qui est regrettablement à peu près partout dans le pays, pour trouver les gens qui sont des porteurs asymptomatiques. On cherche les foyers, mais les foyers, c'est quelqu'un de symptomatique qui a contaminé deux autres personnes identifiées. Et on ne cherche que ce qu'on trouve. Donc, un cas asymptomatique qui a contaminé successivement quelqu'un dans un bar, et puis ensuite quelqu'un au supermarché, et puis ensuite un cousin éloigné, ça ne va pas faire un foyer, celui-là il échappe complètement au radar. Pour trouver le virus, il faut trouver les porteurs du virus asymptomatiques. La circulation est énorme. La circulation est énorme et c'est peut-être ce qui a inquiété au Puy du Fou, le Puy du Fou qui fait marche arrière après les diffusions de ses images, de son spectacle avec 12 000 personnes. Elles ont beaucoup fait parler, 12 000 personnes réparties sur trois tribunes différentes, toutes portaient des masques. Malgré tout, à partir de la semaine prochaine, le parc limitera ses tribunes à 5 000 spectateurs au moins, histoire de rassurer, disent-ils.
12 000 personnes ne sont pas au même endroit. Les 12 000 personnes sont séparées par trois tribunes distinctes qui sont parfaitement étanches. Et lorsqu'on accède à la première tribune, on ne croise jamais les spectateurs de la deuxième tribune, ni au moment d'entrer sur le site ou au moment d'en sortir. Vendredi prochain, je prends l'engagement devant vous à ce que la tribune accueille simplement 5 000 personnes et non pas 3 fois 4 000. Restez avec nous. Dans un instant, nous reviendrons sur la nomination de ces 11 nouveaux secrétaires d'État 3 semaines après la nomination du nouveau gouvernement. A tout de suite. Dans l'actualité également, donc, ce remaniement, il y a aussi l'actualité du coronavirus avec cette jeunesse. Est-elle irresponsable? Ce sont les mots de Jean Castex, le Premier ministre, et Olivier Véran qui changent de ton, qui montent au créneau face au retour de l'épidémie. Il est passé aux aveux. Le bénévole entendu 2 fois dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de la cathédrale de Nantes a avoué les faits de la semaine dernière. Mis en examen, il a été écroulé. On en parle dans un instant. Ils sont donc 11 secrétaires d'État. On connaît enfin la liste complète de ce gouvernement. On sait qu'il s'est fait attendre quasiment 3 semaines. Alors pourquoi tant d'attentes? Quel message voulait être envoyé par l'exécutif? On va entendre les réactions de ces nouveaux secrétaires d'État, le décryptage également. Mais d'abord, on fait un point sur ces nouveaux visages avec Nesrine Slaoui. Il y a ceux qui restent, comme Sophie Cluzel, chargée des personnes handicapées, et ceux qui quittent leurs fonctions, comme Brune Poirson, remplacée par Bérangère Abba à la biodiversité. Le Premier ministre a publié un communiqué ce dimanche pour annoncer son gouvernement de combat, pas vraiment resserré puisque l'équipe au total compte 43 membres, 22 femmes et 21 hommes, donc une parité totale avec Jean Castex. Il aura fallu 3 semaines à l'exécutif pour aboutir à la nomination des 11 secrétaires d'État, 6 sont nouveaux. Par exemple, Olivia Grégoire, vice-présidente de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, entre à Bercy au poste de secrétaire d'État chargé de l'économie sociale et solidaire. L'ancien conseiller d'Emmanuel Macron, Clément Beaune, quitte l'Élysée pour s'occuper des affaires européennes au Quai d'Orsay. Sarah El Haïry vient-elle renforcer les centristes et remplace Gabriel Attal auprès de Jean-Michel Blanquer pour s'occuper de la jeunesse et de l'engagement. Elle est rejointe par une autre modem, Nathalie Elima, chargée de l'éducation prioritaire. Mercredi, ce gouvernement se réunira pour la première fois lors du Conseil des ministres. Et nous sommes en ligne ce soir sur BFM TV avec l'un de ces nouveaux visages donc de ce gouvernement. Bonsoir Nathalie Elimas, vous êtes donc désormais secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. Vous étiez députée MoDem jusqu'alors. Votre première réaction sur BFM TV sur cette nouvelle fonction qui vous a été donnée? D'abord beaucoup d'émotions et puis je suis évidemment honorée de servir et honorée d'entrer au gouvernement et de rejoindre en particulier l'équipe de Jean-Michel Blanquer sur l'éducation prioritaire qui est un sujet que je connais un peu puisque avant d'être élue députée j'étais enseignante. Donc c'est un milieu que je connais bien et puis élue députée, je siège à la commission des affaires sociales et j'ai aussi beaucoup œuvré sur le secteur du social. Donc je m'y retrouve pleinement, et je suis très très heureuse de pouvoir travailler aux côtés de Jean-Michel Blanquer tout prochainement, que j'ai eu au téléphone d'ailleurs quelques minutes avant de vous avoir au téléphone. Avec votre nomination ainsi que celle de Sarah El Haïry, avez-vous le sentiment que le nouveau gouvernement, veut envoyer un signal fort sur la thématique de l'éducation en particulier ? Oh ben oui, là je crois que c'est clair. Effectivement, je vous l'ai dit, l'éducation prioritaire, la jeunesse pour ma collègue Sarah El Haïry que je salue. Et puis bien sûr, c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité. On le voit bien en sortie de crise de la Covid-19, la jeunesse est au cœur de nos préoccupations. Donc c'est un signal fort et en tout cas, je m'y emploierai pleinement. Nathalie Elimas, pas de surprise en même temps dans ce gouvernement au complet, pas de nouveaux visages, pas de société civile, vous étiez vous-même députée. On a quand même la sensation que c'est un gouvernement très politique avec un signal qui a voulu être envoyé au MoDem de la part d'Emmanuel Macron.
Bah écoutez, un signal envoyé au MoDem, je ne sais pas, enfin vous l'interprétez comme vous voulez. En tout cas, le MoDem est le deuxième pilier de la majorité. Depuis le début du quinquennat, nous sommes loyaux, mais aussi très très exigeants. Et puis nous sommes évidemment auprès du président de la République et du gouvernement pour œuvrer dans les 600 jours à venir, qui vont être intenses, extrêmement importants. En tout cas, on est prêts. Une loyauté donc récompensée, justement vous abordez cette question, les 600 jours qui restent avant la fin de ce quinquennat, sur quelle mission allez-vous vous atteler le plus rapidement possible ? Alors votre question elle est un petit peu prématurée, je vous disais en introduction, je viens à l'instant de m'entretenir avec Jean-Michel Blanquer, que je verrai dès demain matin à la première heure, pour discuter ensemble du périmètre, donc sur l'éducation prioritaire, et puis voir ce qu'il attend très précisément. En tout cas, ce qu'il m'a dit, c'est que nous allons travailler de concert, en équipe, puisqu'il y a bien sûr Jean-Michel Blanquer, vous l'avez dit, il y a ma collègue Sarah El Haïry, et également Roxana Maraciné à nous. Donc on se voit demain matin pour déterminer la feuille de route. C'est un petit peu tôt, en tout cas à 7 heures, pour vous le dire, mais voilà, l'idée générale, c'est vraiment de corriger toutes les inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire. Alors on va rester sur ces mots, Nathalie Elimas. Vous restez avec nous, on continue d'en parler. On va tenter d'analyser ça aussi en plateau avec vous, Michel Taube. Elle vient d'employer un mot, il va falloir corriger des choses. C'est aussi le but de ce nouveau gouvernement, de cette dernière ligne droite. Je crois que c'est, à part quelques secrétaires d'État comme celui de Mme Elimas, parce qu'effectivement, avec le confinement, le nombre de décrocheurs scolaires, ça a fortement augmenté. Et peut-être que Jean-Michel Blanquer avait besoin d'être épaulé pour traiter justement la question des décrocheurs. Et effectivement, là, il y a un chantier qui est considérable et beaucoup plus important qu'il y a quelques mois avant le coronavirus. Mais sinon, effectivement, c'est un gouvernement maintenant qui est au complet, le gouvernement Castex, qui doit permettre, qui est là pour permettre à Emmanuel Macron de préparer 2022. C'est un gouvernement à la fois politique et assez technique. Le Premier ministre a voulu faire de l'intendance et des mesures concrètes la marque de fabrique de son gouvernement. Le gouvernement, maintenant, il est complet. 43 ministres et secrétaires d'État, on en avait pas vu autant depuis 16 ans. Et cela doit permettre maintenant à Emmanuel Macron de préparer les 600 jours qui lui restent pour 2022. En direct avec nous, Philippe Gosselin. Bonsoir, vous êtes député Les Républicains. Bonsoir. De la Manche, vice-président également de la Commission des lois. Que pensez-vous de cette nomination, de ces 11 nominations qui font la part belle tout de même à la continuité, notamment au sein des députés La République En Marche ou encore MoDem? Alors avant de parler de continuité, moi je vais vous dire que, ouf, enfin on l'a ce gouvernement au complet. Il faut quand même rappeler que ça fait pratiquement 3 semaines maintenant qu'on a un Premier ministre qui a été nommé, avec déjà une trentaine de ministres et de ministres délégués, et qu'il était grand temps qu'on arrive enfin à avoir un gouvernement au complet. Alors, je note ça valait l'attente ces 3 semaines. Oui, mais c'est long, 3 semaines. Et honnêtement, tout ça pour ça, j'ai envie de dire, un dimanche soir, à l'heure où les gens sont en train peut-être de commencer le film télé ou de terminer l'apéritif pour ceux qui sont en vacances, c'est assez curieux. Assez curieux. Et tout ça pour ça, disais-je, parce qu'on a plutôt un sentiment de continuité. Bon, on a quelques nouveaux, j'en prends bonne note. On verra ce que les uns et les autres font. La ruralité, je le note, est bien représentée. C'est une nouveauté ces dernières années. Mais on a un gouvernement de 43 membres, je dis bien 43 membres. J'aimerais qu'on fasse réagir la nouvelle donc secrétaire d'État Nathalie Elimas qui est toujours avec nous. C'est vrai, 43 membres dans ce gouvernement, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est ça, un gouvernement resserré, un gouvernement de combat, pour reprendre les mots employés par l'exécutif ces derniers jours? Écoutez, moi je crois oui qu'on est en mode combat, et d'ailleurs le Premier ministre a donné l'exemple depuis sa nomination. Les ministres se démultiplient sur le terrain, et je crois que c'est ça qu'il faut retenir, et c'est ce que je vais m'engager à faire si on me le demande, bien évidemment, mais en tout cas je serai également sur le terrain, parce que c'est au plus près des Français désormais qu'il faut aller répondre aux questions et traiter les sujets.
L'actualité sanitaire avec l'épidémie de Covid-19 qui regagne du terrain. Le gouvernement alerte la population sur la nécessité de respecter les gestes barrières, les jeunes en particulier. La guerre est loin d'être gagnée, selon le ministre de la Santé. Le Premier ministre, lui, évoque la possibilité de reconfinement locaux. Thibault Cheminant. Au son de la musique électro, ils ont dansé pendant près de 36 heures. Sur un terrain agricole, 5000 personnes se sont réunies mi-juillet sans aucun respect des gestes barrières. Depuis le début de l'été, ce genre de rassemblement se multiplie un peu partout en France. Une prise de risque qui inquiète le gouvernement à l'heure où les cas de contamination repartent à la hausse. Dans un entretien à nos confrères du Parisien, le ministre de la Santé fait part de sa préoccupation. Je comprends parfaitement leur besoin de souffler, mais le virus, lui, ne prend pas de vacances. Il peut frapper n'importe où. Il faut continuer à appliquer les gestes barrières, respecter les distanciations sociales, porter un masque et se faire dépister en cas de doute. Et pour les encourager à se faire dépister, justement, les tests PCR sont intégralement remboursés depuis ce week-end, ordonnance ou pas. Dans le même temps, le chef du gouvernement Jean Castex n'écarte pas un possible durcissement des mesures. Ce qu'il faut éviter par-dessus tout, c'est le reconfinement général. Ce peut être des reconfinements très localisés. Nous nous adapterons. Et Jean Castex à son tour de rappeler l'importance des gestes barrières jusqu'au jour où un vaccin sera trouvé. On l'a bien compris, les jeunes qui sont ciblés donc par Olivier Véran. Est-ce que Benjamin Davidot, il a raison de cibler les jeunes? Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont eux le danger peut-être qui font repartir l'épidémie? En fait, tout le monde est un danger potentiel, mais il ne faut pas croire que les jeunes sont hors de cette zone de danger. Puisque les jeunes, malheureusement, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un regain de contamination auprès des jeunes, notamment en Nouvelle-Aquitaine, hein, parce que c'est le début des vacances du mois de juillet, c'est un scoop pour personne, et qu'il y a un relâchement de ces mesures barrières, parce qu'il y a des fêtes qui se font, qu'on va à la plage et qu'on porte moins le masque. Et aujourd'hui, il faut pouvoir trouver des initiatives pour expliquer aux gens que tout le monde est concerné par cette maladie. Il n'y a pas seulement que les personnes de plus de 65 ans et que les gens fragiles, et que l'objectif aujourd'hui, c'est de casser ces chaînes de transmission, c'est de dépister massivement pour isoler les gens, et que dès qu'on peut, il faut pouvoir avoir le réflexe de porter un masque, parce que 50% des tests positifs la semaine passée concernaient des gens qui n'avaient aucun symptôme, et donc la mauvaise idée de dire je mettrai un masque si j'ai des symptômes, ça ne suffit pas. Nathalie Elimas, vous qui êtes nouvellement nommée donc secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire, les jeunes justement à qui vous allez vous adresser dès que vous allez vous mettre au travail demain, par exemple cette question sanitaire dont on parle beaucoup, est-ce qu'elle va être à l'ordre du jour également d'éduquer, de sensibiliser cette jeunesse? Je le présume. En tout cas, vous savez, pendant toute la période de la crise, moi j'étais sur le terrain, j'ai fait de nombreuses distributions de masques, de visières, et j'ai déjà eu l'occasion de leur dire, effectivement, il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie. Mais en tout cas, j'imagine, oui, encore une fois, c'est prématuré, mais j'imagine que ce sera au cœur également des actions qui vont m'être confiées. Et puis, on le voit bien, la crise n'est pas derrière nous, elle est encore là. La deuxième vague peut tout à fait se présenter. La rentrée scolaire, maintenant, c'est dans un petit peu plus d'un mois. Donc, effectivement, pour tous les âges, il faut vraiment faire preuve de beaucoup de pédagogie auprès des jeunes, auprès des enseignants, de tout le personnel éducatif, mais qui, de toute façon, fait largement le nécessaire. Mais il faut sans cesse rappeler l'importance de ces gestes barrières à respecter, parce que c'est primordial pour eux, pour les autres, et surtout parce que ça sauve des vies. Nathalie Elimas, la crise qui n'est pas derrière nous, c'est le message qu'a fait passer Jean Castex clairement dans la presse aujourd'hui, dans Nice Matin. Le reconfinement brise la progression de l'épidémie, certes, mais au niveau économique et social, c'est catastrophique. Jean Castex qui ne veut pas de nouveaux confinements, mais qui ne l'évacue pas pour autant. Juste une dernière question et après on vous libère, Nathalie Elimas. On voit encore Olivier Véran qui en appelle à la jeunesse. Est-ce que vous aussi, vous lancez un appel à la jeunesse? Est-ce que le gouvernement a raison ce soir peut-être de faire culpabiliser les jeunes? Alors, culpabiliser, non. Je crois qu'il faut ni stigmatiser, ni culpabiliser. Pas du tout. Les jeunes sont responsables, ils le prouvent à maintes reprises. Ce qu'il faut leur dire, encore une fois et toujours, c'est de respecter ces gestes barrières, respecter la distanciation sociale, faire preuve de responsabilité comme ils savent le faire. C'est important pour eux, c'est important pour leurs proches et pour leur entourage. Et je le disais, ça sauve des vies. Et puis, il y a la question très juste que vous avez évoquée, c'est celle de l'économie, c'est aussi celle de l'emploi, c'est celle de leur emploi. Il ne faut pas reconfiner le pays, ce serait une catastrophe. Donc il est important que collectivement nous soyons extrêmement responsables et
que nous respections ces gestes-là. Je ne les culpabilise pas, je ne stigmatise pas, je leur fais confiance. Le message est passé. Merci Nathalie Elimas d'avoir répondu à nos questions ce soir. Catherine Hill, épidémiologiste, vous êtes membre également du conseil scientifique. On a entendu le gouvernement donc, qui ne veut pas culpabiliser, qui essaye en tout cas d'éviter un reconfinement général, qui n'exclut pas pour autant des reconfinements locaux. Est-ce que ces reconfinements peut-être ponctuels peuvent être une solution ? Un, je ne suis pas membre du conseil scientifique. Et deux, la solution n'est absolument pas là. La solution est dans un test massif de la population. Tous les pays qui ont testé sérieusement leur population ont eu une mortalité beaucoup plus faible que celle qui a été observée en France. On n'avait pas de masques, maintenant on a des masques. On n'avait pas de tests, on en a relativement. Mais on n'a pas de stratégie de test. Il faut tester massivement pour trouver tous les porteurs asymptomatiques. C'est comme ça qu'on contrôle l'épidémie. On ne cherche pas à contrôler l'épidémie pour l'instant. On cherche à colmater les brèches un peu partout. Ça n'est pas une stratégie. Une question quand même. Comment on fait pour tester les porteurs asymptomatiques? Ça peut être tout le monde. Ça peut être vous ce soir, ça peut être moi en plateau. Absolument. Il faut tester tout le monde. Absolument, et il faut commencer par tester tout le monde dans les endroits où le virus, on est certain que le virus circule. Mais on peut tester 65 millions de Français chaque jour, potentiellement ? C'est réaliste ? Pas tous les jours, évidemment. Pas tous les jours, mais prendre une zone et tester massivement. Il faut réfléchir à ça. Les Chinois ont eu une résurgence de l'épidémie. Ils avaient contrôlé l'épidémie. À Pékin, 22 millions d'habitants, il y avait zéro cas pendant 45 jours. Ensuite, ils ont vu réapparaître les cas. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont confiné un quartier. Ils ont testé 2 300 000 personnes sur les 22 millions de Chinois, c'est-à-dire 1 sur 10, un peu plus qu'un sur 10. Ils ont trouvé en 10 jours, ils ont fait ces tests, ils ont trouvé 227 cas. C'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais maintenant, depuis plus de 2 semaines, il n'y a plus de cas à Pékin. En Chine, on contrôle la maladie. Votre réaction, Benjamin Davido, sur cette stratégie, confiner localement et tester tout le monde, c'est possible, c'est souhaitable ? Confiner localement, déjà, c'est si malheureusement on doit arriver à confiner. C'est un aveu d'échec. Absolument, ça veut dire qu'on aura échoué sur la mesure préventive et sur le fait de stopper la reprise épidémique. Dépister massivement, c'est sûr, parce que c'est ce qui permet d'isoler les gens et donc de casser la chaîne de transmission. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on arrive à un seuil où on ne peut plus être en capacité humaine et logistiquement pour aussi les matériels, les machines, pour dépister, et on ne peut pas dépister demain 60 millions de Français, c'est impossible. Alors il faut réfléchir, il y a des pistes, il y a plein de moyens peut-être à mettre en œuvre. On a parlé récemment des techniques avec les chiens renifleurs dans les aéroports, et les techniques de circulation du contrôle dans les excrétas, c'est-à-dire dans les selles. On peut mesurer les gens qui excrètent et donc qui sont asymptomatiques via les systèmes d'eau usée pour avoir éventuellement des idées de zones, de clusters sur lesquelles on pourrait faire des techniques de dépistage. Et puis très clairement, il faut aller mettre des hotspots, il faut aller au plus profond de la population et aller dépister en ce moment sur les plages, les endroits où il y a des réunions festives. Il y a plein de techniques, il y a plein de il faut qui viennent de professionnels comme vous, et pourtant ça vient pas forcément. Il y a une image d'ailleurs qui a beaucoup fait réagir, c'est ces 12 000 personnes réunies pour voir un spectacle, certes très beau, mais au Puy du Fou, ça a fait beaucoup réagir. Et aujourd'hui, eh bien, le parc annonce qu'il fait marche arrière, il se défend pourtant, mais il fait marche arrière quand même. Les 12 000 personnes ne sont pas au même endroit. Les 12 000 personnes sont séparées par 3 tribunes distinctes qui sont parfaitement étanches. Et lorsqu'on accède à la première tribune, on ne croise jamais les spectateurs de la deuxième tribune, ni au moment d'entrer sur le site ou au moment d'en sortir. Vendredi prochain, je prends l'engagement devant vous à ce que la tribune accueille simplement 5 000 personnes et non pas 3 fois 4 000. Dans l'actualité également, les suites de l'enquête concernant l'incendie de la cathédrale de Nantes. Le bénévole du diocèse a avoué avoir incendié l'édifice le week-end dernier. Il avait déjà été entendu aux prémices de l'enquête. Il a été mis en examen et écroué hier soir, la nuit dernière. Stéphanie Zenati, Alexia Ferret, Fanny Regnault. Il y a une semaine déjà, les enquêteurs s'orientaient vers la piste criminelle. Mais aujourd'hui, étant donné les 3 départs de feu simultanés et les résultats des analyses effectuées par le laboratoire central de la préfecture de police de Paris, cette thèse semble confirmée. D'après les premiers éléments du dossier, des traces d'hydrocarbures ont été retrouvées à l'intérieur de la cathédrale. Mais ce qui a immédiatement interpellé les enquêteurs, c'est qu'il n'y avait aucune trace d'effraction au niveau des accès extérieurs du bâtiment. Signe que le responsable de l'incendie aurait les clés de l'édifice.
Un seul profil retient alors leur attention, celui de cet homme de 39 ans, ce bénévole chargé de la sécurité, placé en garde à vue quelques heures après le drame, puis libéré. Il est reconvoqué hier matin, et c'est dans la nuit qu'il a finalement avoué. C'est effectivement pour lui un soulagement de, évidemment, faire preuve, comme il le dirait, de repentance. Je pense que pour le croyant qu'il est, c'est important qu'il ait pu faire preuve de cette force. C'est quelqu'un qui est effectivement apeuré, qui est quelqu'un qui est en quelque sorte dépassé. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous pouvez imaginer évidemment comment il peut se ressentir en l'état. Les enquêteurs l'ont confondu, notamment en lui montrant les images des caméras de vidéosurveillance sur lesquelles on voit un homme sortir 15 minutes après les premiers appels passés aux pompiers. Autrement dit, une fois que le feu s'est déclaré. Devant le juge d'instruction, le suspect a reconnu les faits sans expliquer pour l'instant ses motivations. Poursuivi pour dégradation, détérioration ou destruction du bien d'autrui par incendie, il encourt 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Alors Guillaume Fard, que sait-on des motivations de ce suspect qui a donc été écroué? D'abord, concernant son profil, on sait que c'est un homme de 39 ans, qu'il est ressortissant rwandais. Il est arrivé en France en 2012. Il n'a pas d'antécédent judiciaire, il n'est pas connu des services de police. Et il était bénévole au sein de cette cathédrale de Nantes. Et occasionnellement, il était aussi servant de messe. Il aidait les prêtres lors des offices. Le procureur de la République de Nantes nous a livré cet après-midi quelques éléments concernant ses motivations. On sait qu'il avait un titre de séjour qui avait récemment expiré. Il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis novembre 2019. Il avait essayé différents recours. Il avait notamment saisi la commission de recours des réfugiés pour obtenir le statut de réfugié, mais ça lui a été refusé. Il a également essayé, en raison de son état de santé, d'obtenir le statut d'étranger malade, mais là encore, ça lui a été refusé. Il allait donc devoir quitter le territoire malgré la tentative d'intercéder auprès du préfet d'une partie du clergé catholique nantais. Et donc, dans un geste de désespoir, nous dit le procureur de la République, il a incendié la cathédrale. Jahad Zahab, comment est-ce qu'on peut expliquer le passage à l'acte de cet homme qui, on le rappelle, n'était pas connu des services de police un peu plus tôt? Bah écoutez, ça, je pense qu'honnêtement, je peux pas vous répondre. C'est à la justice de le dire. Ce qui est certain, c'est que depuis la semaine dernière, on a vu que l'enquête a beaucoup évolué. On a des politiques qui tout de suite avaient tiré les conclusions avant même que les policiers n'aient pu entrer dans la cathédrale pour commencer cette enquête. Mm-hmm. Et puis une semaine après, on voit finalement que après une première garde à vue qui avait, je crois, je parle sur le contrôle de Guillaume Fard, duré 30 heures, puis une seconde hier, on voit qu'il y a eu des aveux qui ont été faits. Et donc finalement, on a aujourd'hui, on commence à comprendre les contours de ces motivation. Bon, ça, c'est une enquête qui une procédure judiciaire. Est-ce que son parcours sur le territoire français, selon vous, peut être une explication? Mais ça, honnêtement, je pense que ce qui est intéressant dans son parcours, c'est qu'on voit que malgré tout, sur la question de l'immigration, puisque c'est un sujet qui peut être évoqué, quand en France, on a des différentes manières de devenir, entre guillemets, un réfugié. Là, ce que je crois comprendre de ces éléments-là, mais que je ne connais absolument pas dans le fond du dossier, c'est que ça lui a été refusé et donc, dans une forme de désespoir psychologique, il est passé à l'acte. Encore une fois, c'est la procédure judiciaire de définir précisément ce qu'il en est. Bonsoir Jean-Charles Novak, vous êtes l'un des clercs de cette cathédrale de Nantes. Comment vous avez accueilli cette nouvelle, ces aveux donc de ce bénévole qui est mis en examen ? À la fois bien et mal. Bien parce que bon, l'enquête avance, on sait ce qui s'est passé et ça c'est une très bonne chose. Mal parce que bah, je suis quand même très triste pour cet homme. Personne ne s'y attendait. Là, tout à l'heure, j'étais à la messe à Saint-Similien où la communauté s'est translatée pour la messe et tous étaient dans le même état d'esprit, si vous voulez, surpris et vraiment triste aussi pour lui quand même, malgré tout. Est-ce que cet homme vous semblait fragile? Est-ce que vous aviez observé des signaux qui auraient pu vous faire penser qu'il aurait pu craquer? En tout cas, on voit que ce passage à l'acte, il n'était pas envisagé par vous, hein, qui aviez l'habitude de le côtoyer, ni par les fidèles dans l'église. Effectivement, personne n'imaginait ça. Des signes, bon, physiquement il était fatigué pour raison de santé, mais psychologiquement je n'avais rien remarqué et personne d'autre non plus à ma connaissance. Est-ce que vous lui en voulez ce soir? Est-ce que vous cherchez à comprendre? On rappelle qu'il est présumé innocent, les enquêteurs veulent faire toute la lumière sur ce qui s'est passé exactement, ou est-ce que en tant que chrétien vous êtes prêt aussi à lui pardonner par exemple?
C'est ce que j'ai dit ce midi, il me semble, c'est que bon, les chrétiens doivent faire preuve de miséricorde. Alors c'est plus ou moins facile selon les cas, évidemment, mais même si bon, je lui en veux un peu et c'est normal, j'ai surtout beaucoup de peine pour lui. C'est vraiment plus ce sentiment-là qui domine, c'est vraiment la peine et la surprise. Pour terminer, hein, ce bénévole, il fait partie d'autres bénévoles du diocèse à la cathédrale de Nantes. Il a également servi dans certaines messes dans cette cathédrale. Est-ce que ça remet en cause la façon dont vous recrutez, entre guillemets, ces bénévoles ? Alors justement, on en parlait un peu tout à l'heure après la messe. On ne va quand même pas demander, ou peut-être, je ne sais pas, un extrait de casier judiciaire à tous ceux qui veulent travailler ou être bénévoles à la cathédrale. Ça me paraît compliqué, mais quand on lui a confié les clés, il était tout à fait digne de confiance et pendant des années, il n'y a pas eu le moindre problème. Donc je ne pense pas qu'il faille tomber dans une espèce de psychose générale. Peut-être être plus vigilant, effectivement, que nous le sommes. Restez avec nous dans un instant, l'annonce des nouveaux secrétaires d'État du gouvernement Castex, 3 semaines après le remaniement. Qui entre, qui sort ? Réponse dans quelques instants.